Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de cartes tout simplement génial, très facile à réaliser, je suis sûr que vous allez kiffer. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, un petit concours pour vous tenter de vous faire gagner l'un de mes VOD présents sur ma plateforme Magistreaming. Bref, je vous en parle à la fin, je vous laisse tout de suite avec la démo. Et pour ceux qui voudraient apprendre le tour, vous avez comme d'habitude le lien de la vidéo explicative directement dans la description. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur va choisir des cartes et le magicien également. Alors, on va utiliser le hasard pour ça. Regardez, je vais couper le jeu une première fois et une deuxième fois comme ceci et on ira récupérer les cartes qui apparaissent les premières face en bas, voilà, peu importe. Hein. Et ces trois cartes, on va les laisser vraiment de côté, voilà, vous les gardez bien en vue. Et derrière, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu le mélange du paquet un peu bordellement, voilà, comme ceci, on va dire. Voilà, ça fait un petit peu le vrac dans le paquet. Et on va faire la même chose en deux paquets, on va dire, comme ceci. Voilà, au moins on est sûr que les cartes sont bien mélangées. On va essayer de faire des paquets plus ou moins égaux, hein, c'est pas évident. On va en mettre un peu plus ici, peut-être, voilà. On va faire 3 et 3, ça devrait être bon. Parfait, comme ceci. Voilà, nickel. On a des paquets à peu près égaux. Là, ce qu'on va faire, regardez, des rosaces, comme ceci. Une et deux. Et là, c'est le spectateur lui-même qui imbrique l'ensemble. Là, vraiment, vous le faites faire par le spectateur normalement. Voilà, il imbrique tout. Vraiment, ça fait le chaos dans le jeu. Et au moins, on est sûr d'avoir un jeu vraiment bien mélangé. Alors, vraiment, c'est. Là, je vous prouve que tout est bien mélangé. Voilà, on le réégalise comme ceci. Et de la même façon, le spectateur va faire comme moi au début. Il va couper une première fois le jeu et une deuxième fois, comme ceci. Et il prendra ensuite les trois premières cartes qui viendront, voilà, face en bas. Comme ceci, donc ça c'est les cartes du spectateur, ça c'est les miennes du début. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est que si on regarde les cartes du spectateur, donc on a une première c'est un 5, une deuxième un 2 et une troisième c'est un 9, d'accord? Regardons maintenant mes cartes, et si on regarde, on a bien un 2, un 9 et un 5. Exactement les mêmes valeurs que j'ai choisies au début. C'est incroyable, alors vous allez dire peut-être que c'est une coïncidence de l'effet, hein, alors que toutes les cartes sont bien différentes, hein, mais vous allez parler de coïncidence. Si on regarde bien les chiffres, ça nous donne bien 952. Alors on parlerait de coïncidence si seulement la coïncidence n'était pas écrite à l'avance. Là on parle plutôt de prédiction. Bien entendu, tout peut être examiné, et il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu et vous aura donné peut-être envie d'apprendre ce tour et de le réaliser à vos amis. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'explication de ce tour directement dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les réseaux sociaux avec Facebook ou Instagram. Et également, retrouver mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. www.magistreaming.fr, la seule école de magie 100% gratuite en ligne. Vous allez pouvoir retrouver les bases de la cartomagie et ainsi que la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués. Et également, pour ceux qui souhaiteraient me soutenir, la section VOD Magistreaming, vous allez retrouver des DVD de tours plus élaborés en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. Et en parlant de ça, je vais tenter de faire gagner à l'un d'entre vous l'une des VOD présentes sur cette plateforme. Et pour participer, c'est très simple, un concours, un tirage au sort, trois règles à respecter. La première, être abonné à ma chaîne YouTube Tuto Magie ainsi que ma chaîne secondaire dédiée à la plateforme Magistreaming. Vous avez les liens dans la description. Ajoutez un seul commentaire en bas de cette vidéo, un seul, pas un de plus, sinon vous êtes automatiquement disqualifié, donc vous pouvez vraiment laisser un seul commentaire et également liker cette vidéo. Une fois les trois choses de faire, vous êtes automatiquement enregistré pour le tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine et les résultats seront annoncés en story sur mon compte Instagram et le commentaire du gagnant sera directement épinglé dans cette vidéo et je le contacterai par la même occasion. Donc trois choses, être abonné aux deux chaînes Magistreaming et Tuto Magie, liker cette vidéo et ajouter un commentaire. Une fois ça fait, vous êtes automatiquement enregistré et susceptible d'être tiré au sort pour le tirage de la semaine prochaine. Bref, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bonne chance à tous pour le concours. Ciao tout le monde.